Hop, c'est parti. T'as dû faire 2 mètres de plus que tout à l'heure. Peut-être, je sais pas. Mais bon, là, c'est pas... C'est vrai que le BTB était très beau. Mais c'est parti pour cette nouvelle run. Nouveau practice, hein. On va voir comment ça peut se passer. Là, en gros, l'objectif, c'est, bon, le plus vite possible, de repérer les moments où je galère et d'essayer de les corriger en les pratiquant. C'est de faire la même. Après, faut... Je sais pas trop, en fait, combien de temps m'attarder sur chacun de ces trucs. Soit je sais pas. Je sais pas trop comment appréhender tout ça, mais là, pour l'instant, ça me déplaît pas. Vu qu'on progresse, tant qu'on progresse, c'est plutôt cool. Et coucou, Alexios, comment ça va? Et salut, vieux poivron. Et Tug du 69, bienvenue à vous tous. Et Guillaume T aussi qui est là. Ah, quel plaisir. Moi j'adore. Clairement, je suis trop content de speedrunner ce jeu. Je trouve ça agréable. Et je comprends pas pourquoi c'est agréable, parce que c'est pas agréable, hein, de rater des trucs en boucle, que ce soit hyper dur, et je sais très bien que j'y arriverai jamais, mais... Et on a un follow de OLSR qui est là, et Rochaud18 aussi. Bienvenue à vous deux. Alors, là, comment on skip le fait de sortir la tablette? Attends, je vais voir. J'aimerais bien. Ouais, faudrait que j'aille voir un speedrun, parce que je vais le noter, ça. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Ok, je vais noter. Ça, faudrait que j'aille chercher ça en off. Parce que c'est le genre de truc là. La tablette Sheikah, je pense que quand je peux sauter une animation et j'arrive pas à le faire. Et salut Totop du 39, Al, SR, Rochaud et Dark Jubion. Bonjour à vous tous. Je viens de capter, c'est pas toi qui fais les tutos sur le menu en ligne et tout sur YouTube, si. le mec, même pas au courant quoi. Si, c'est moi. Bah, j'ai même fait un tuto pour apprendre à speedrunner le jeu. Mais ça fait déjà 8 mois, je crois, que j'ai fait ça. Mais je l'ai fait avec Zelkis, qui est lui un speedrunner français de Breath of the Wild. Mais. Le truc, c'est que bah, moi j'ai juste expliqué, mais je savais pas le faire quoi. J'ai déjà fait tous les moves quand même du prélude, mais j'ai pas fait les. Bah, j'ai jamais vraiment practice le speedrun. C'est pas un truc que je m'étais attardé dessus. Mais oui, clairement, c'est moi qui ai fait. Si tu cherches des tutos francophones sur le jeu, tu risques de tomber sur moi. Hop. 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 Allez, on sort, on y va. Ah, je sais pas si vous avez vu, peut-être, je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai fait un petit mouvement comme ça avec mon épaule. C'est parce que je change ma façon de placer mes doigts. Ah oui, il y avait quelqu'un qui posait la question, je peux peut-être expliquer là. Pour le Winston Sprinting, quand moi je sais pas si c'est une bonne technique, mais c'est ma technique. Je mets mon index dessus. En fait, attends, on va se mettre comme ça. Je me mets comme ça. Attendez, hop. Ah, c'est chaud de bien se mettre dans la caméra. Attendez, je vais me mettre là. Je me mets... Mon index qui pousse, comme ça, ça me permet d'avoir mon pouce sur la flèche du bas et je spam B. Et quand je veux repasser en course normale, bah, je fais ça en fait. Et quand je veux repasser en Whittle Sprinting, je fais ça. Et c'est une petite manipulation que je fais avec mes doigts. Je sais pas si tout le monde fait ça ou pas, mais moi c'est ma strat. Je pousse le stick analogique en avant avec l'index et j'appuie avec mon pouce. Paulinette fait pareil, tout le monde fait ça, je pense. Bah c'est marrant. Mais ouais, je pense que c'est à peu près la meilleure strat à faire. Il y a d'autres trucs comme ça où... Bah souvent, ouais, c'est toujours l'index. Il y a d'autres trucs, c'est genre... Bah à partir du moment où t'as besoin d'accéder aux flèches directionnelles et que t'as besoin de te déplacer en même temps, et bah t'es obligé de le faire. Je le fais aussi pour les shield surf, je crois. Pas les shield surf, mais si... Bah, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres strats où... quand tu veux faire un wind bomb sans sauter, en utilisant ton bouclier, t'es obligé de le faire comme ça aussi. Alors, je récupère les petits piments. Hop, ça. Bah, tout le monde fait pareil, bon, tant mieux. Enfin, tant mieux. Ça se trouve, ça aurait été marrant que vous me trouviez une meilleure technique, mais... Je sais plus, il y avait quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, mais c'était il y a longtemps, et j'ai pas pensé à y répondre. Enfin, je lui ai dit que j'y répondrais après, mais je l'ai pas fait. Ok. Ok, hop là. Et salut, le pro skieur et Reko. Bienvenue à vous deux. Allez, on va dire bonjour à Zelda. Link. Non, moi je fais pas pareil, je suis le seul. Ah, c'est mieux ta technique, Tarokis. Et re, Linklou. Re, bonsoir. Ou c'est la même cartouche de jeu que Switch. Donc tout est exactement pareil. Ah oui, le jeu est le même sur Switch. Sur Wii U. Sauf que ça lag un peu plus sur Wii U. La console est moins puissante. Et il y a d'autres petites subtilités, comme des trucs au très fond de la console qui fonctionnent pas pareil. Parce que il y a un glitch qui s'appelle... Le Ragdoll Glitch, enfin c'est même plus l'Inox Curse, qui fonctionne pas pareil
qui fonctionne pas pareil sur, sur Wii U. Enfin, qui marche pas justement sur Wii U. Ah, et pas de la Switch. Ah oui, d'accord. La Switch Lite, non, c'est la même normalement. Oh, c'est de la merde. Attendez, on reprend de la vie. Pourquoi je me suis accroupi, je sais pas. Réel Wapek est là aussi, bienvenue Réel Wapek. Alors je sais pas si mon SKU est bien placé là, je crois que je me suis... j'ai mal visé. Hop là, on se concentre. Dommage. Ok. C'est bon, là je commence à avoir le move, là c'est cool. Là pour un, en tant que gros débutant, c'est mon deuxième jour que je fais ça, je suis plutôt content de ce qui se passe actuellement, on va dire. Je suis... Pour pas me cacher, un... pas peu fier ça se dit, c'est une phrase, pas peu fier. Je suis pas peu fier, dis, tu maîtrises bien les techniques et le temps, le temp. Bah c'est vrai que bon... J'ai appris, enfin je connaissais déjà toutes les techniques, bah toutes les techniques de speedrun je les connais déjà. Et du coup ça c'est pas ça que j'ai à apprendre. Et surtout, et ça c'est pas rien, c'est que je n'ai pas appris ces techniques grâce, enfin par exemple le BTB je sais le faire avant de connaître des strats pour le faire précisément. Pareil pour le shield clip. Et étant donné que j'ai appris tous ces glitches là en casu on va dire, et bah ça me rend, je sais pas, beaucoup plus à l'aise avec tous ces concepts en fait je trouve. Là on est bien, on est pas mal je pense. Ok. Bon là on est bien, ça fait plaisir. On a un follow de Elcap qui nous follow, bienvenue Elcap. Pourquoi tu fais pas un win bomb? Parce qu'on a pas de bombe moi-même. Hop. Et on a pas de paravoile non plus. Donc pour atterrir après un win bomb sans paravoile... Hop. Ok. Nickel. Ha. Ta-ta-tum. Ta-ta-tum. Et coucou à Jules 92. Bienvenue. Allez. Le vieux il dit bonjour. Alors là si vous voulez, je sais pas si ça peut être une strat, enfin... En gros, je spam A et B, ça permet de passer les dialogues le plus vite possible. Et si j'ai besoin de répondre la réponse du bas, je reste appuyé sur le stick du bas. Il va directement faire ça. J'ai pas besoin d'appuyer manuellement sur bas. Ouais, il a la réponse du bas. Là, si je relâche, il va faire la réponse du haut. Sa petite phrase que j'avais pas compris au début, au final, c'est super simple, t'as rien à faire. Tu spams juste, bêtement. Là, si je lâche, il va répondre la réponse du haut. Normalement, faut faire haut, bas, haut. Pour la réponse du haut. Et là, je fais la réponse du bas. Voilà. Et je crois que c'est la méthode la plus rapide pour faire ça, mais je suis pas sûr. Salut, franchement, j'ai vu tes vidéos, j'adore. Et bah, c'est gentil, Elcap, merci beaucoup. Et MEH, qui est là aussi, bienvenue. J'apprends le speedrun Breath of the Wild, là, pour l'instant. Alors, c'est combien de coups? 4. Ok. Oh là là, je suis content, ça passe nickel, ça. Je les ai appelés. J'aurais pas dû siffler. Je sais pas pourquoi j'ai sifflé, mais j'aurais pas dû. C'est mon dernier jour d'abonnement. No luck pour toi. Tu vas pouvoir en recommander un nouveau, c'est cool. Tu l'avais pas dit dans la vidéo overloading pour farm les minéraux. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Qu'est-ce que j'avais pas dit? Ah si. Non. Bah je disais que ça va plus vite quand tu spams, mais je disais pas qu'on pouvait répondre à la réponse qu'on voulait en fonction de comment on en... En fait, si mon stick est vers le bas, ça va mettre la réponse du bas. Et ça, c'est pas... Enfin, j'ai expliqué juste que pour spammer plus vite, c'est A et B. Que j'avais fait un test moi-même. Je le savais pas, j'ai testé, j'ai vu que c'était vrai.
Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi j'arrive du premier coup tout ça là? Il y a un problème. C'est pas normal. Il va y avoir une quiche bientôt. Non! Non! Elle était là la quiche. Elle était là la quiche. Dum, 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 dum. Faut que je mange comme ça. C'est... Oh oh, c'est bas au oh, oh, bas. Ah merde. Ah bah merde. Bah bien vu Dory. Bah c'est bas au oh, bas. Du coup ouais, j'ai fait au oh, bas au oh, bas et c'est pas ça. Comme quoi, je suis en train de vous raconter des conneries. M'écoutez pas. Quand je fais pas une vidéo, je vérifie pas ce que je dis. En stream, je dis que des conneries. Là on va passer loin, je pense. Ah quoique. C'est pas dégueu quand même. Pas con, fais pas le con Link. Vas-y go. Nanana. Ok. Ah dommage. Qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai plus de skew je crois. Bon, je vais vérifier si j'ai un skew. C'est un skew, il est vénère en plus. Il est trop vénère mon skew. Il est beaucoup trop vénère. Oh c'est mort. On réessaye quand même, on a le temps. Et c'est bon, c'est passé. Pour passer les dialogues avec le vieux le plus vite possible, je crois que c'est Baobab. Bon ok, Baobab, Baobab, Baobab. Ah, faut penser à un Baobab et hop, c'est bon, t'as trouvé. Baobab, Baobab, c'est Baobab. Nickel. On a trouvé un moyen mnémotechnique, je pense que je vais pas m'en rappeler parce que je me rappelle jamais des moyens mnémotechniques. C'est le problème des moyens mnémotechniques, c'est que je me rappelle pas. Salut HSI, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Baobab, si c'est bon, Baobab, ça passe nickel. Hein. Baobab, Baobab, Baobab. Hmm, trop cool, trop cool. Oh cette musique, incroyable. J'adore les musiques, c'est trop bien. Ça enjaille trop en fait. Depuis qu'on a mis cette playlist là, je me sens mieux. Salut super brigand. J'espère que tu vas pas briganter ici là. Tu vas pas traficoter des bêtises là. Mais en tout cas, bienvenue. Baobab. J'adore ce jeu. J'aurais dû remettre le bouclier. Ça, c'est des réflexes que j'ai pas et qu'il va falloir les reprendre. Parce que là, je continue sans bouclier, c'est pas bon. C'est pas bon de pas avoir de bouclier quand on joue au jeu. Tati tatou, attends, tati tout tatou. Quoi? Je suis en train de vérifier pour ne pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est ça. D'accord. J'ai essayé de prendre ton accent, mais j'y arrive pas. Salut Zelda Mariole, je passe faire un petit coucou. Mais je peux pas rester longtemps. Et bah bonjour, au revoir Zelda Mariole. Et je suis vraiment hyper déçu que tu te barres aussi rapidement. Tu baisses tellement dans mon estime. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague, pardon. En tout cas, bonjour. Hop. Allez, on se concentre. Est-ce qu'on y arrive du premier coup comme un PGM? Attention, on se place. Ici là, un peu plus à gauche. Ok. On vise à l'arc. À cet endroit. Ensuite là. Ah, beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt là sur ce coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Petit problème de mentalité. Et coucou. Merci pour ton follow en tout cas, Islem. Le BTB RNG, non, celui-ci il est pas tant que ça RNG, il est juste très difficile. Celui qui est RNG c'est le dernier. Enfin c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, celui avant le saut du château. Celui qui consiste à monter sur des mobs parce que les mobs ont vraiment une RNG bizarre quand ils te détectent. Lui c'est que du positionnement en vrai. Hein. Les bons runners ils le font à 100%.
Ah bah là c'est de la merde. J'ai fait l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais trop tôt, là je suis trop tard. Dommage. Et Prayanka qui est là, coucou Prayanka. Alors moi en tout cas ça va bien, ça va très très bien. C'est marrant parce qu'à chaque fois on galère à cet endroit là. C'est tout le temps, ce moment là, c'est la galère. Un jour ce sera corrigé, je vous le promets, je le promets sur le... Sur le... C'est une promesse, c'est une promesse que je fais à vous. Voilà, dès que j'essaie de promettre des trucs, le mec s'y dit « Non, t'es sur une pente glissante là !» Et il se met à glisser comme un débile. Ça doit faire mal aux pieds quand même. On entend le bruit. Vous vous rendez compte? Imaginez, vous glissez sur de la pierre et vous entendez un bruit comme ça. Moi, je pense que vous... Après, vous regardez vos pieds, on voit les os, quoi. Je crois qu'on voit du sang et des os. Hein. Là, clairement, si ça fait ce bruit-là, quand t'es en train de glisser sur de la pierre, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci au niveau des pieds, quoi. C'est les os qui croquent. Et je crois que c'est beau ça. C'est plutôt beau. C'est plutôt pas mal. Et là, il va falloir spammer le bouton. On va changer un peu la caméra. J'aurais jamais dû regarder la forêt. Voilà. C'est dur. J'aurais trop aimé tomber pile poil dedans. J'ai essayé de spammer. En gros, il faut spammer. Je suis trop bas pour pouvoir faire un fall damage cancel. Il faut essayer de tomber dans l'eau. Et là, c'est mort. C'est death. C'est death, c'est death. C'est la descente aux enfers. On recommence. J'adore quand même. C'est trop fun. Oh, c'est tellement agréable. Mais je pense que je vais déchanter quand je vais commencer à chercher à faire des beaux temps et que je vais jamais y arriver parce que il se passera toujours des trucs comme ça. Bon, en tout cas, l'important c'est de kiffer pour l'instant. Oh, beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut, mais c'est pas non plus si dégueu, quoi. Vaut mieux ça qu'un reset, mais on va reset. Comme la fée du reset. Je fais mes devoirs avec ton live à côté, j'aime l'ambiance. Eh bah, tant mieux. Ça veut dire que je ne rage pas tant que ça, et qu'au final, ça reste quand même chillax comme ambiance. Mais c'est grâce à la musique, hein. On va le mettre plus fort, même. Oh, pardon, j'arrête. Désolé pour ce problème d'oreille. Désolé à tous ceux qui ont eu des écouteurs aujourd'hui, là. Hop. Allez, on se place bien. Beaucoup trop mal. Il y en a un qui est mort. Re-F, ça avance bien. Bah là, ça recule. C'est marrant, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui demande si ça avance bien, c'est au moment où ça avance pas. Et bah dommage. Et salut Olitom, j'arrive et j'entends de la musique hyper... Hyper quoi? Hyper fort, MDR sinon salut. Ah, coucou Olitom. Ça va, t'es pas arrivé longtemps. Je l'ai mis pendant une seconde à peine. Juste pour faire une vanne. Une vanounette. Hop. Oh, c'est beau ça. Je commence à le maîtriser, ça fait plaisir. Bon, maintenant il va falloir appuyer sur B au bon moment. Attention. Alors je crois qu'il y a, il y a une technique, ça va être post buffer. Attends, on va regarder. Oh mais quel con! J'y étais, je vais y clipper le sanctuaire. Mais non, je me suis arrêté juste devant, en mode... Attends, regarde, quand même, regardez cette action. Regardez cette action en mode... Non, il est fermé. Je veux pas y aller, il est fermé. Attention, les gars. Je veux pas rentrer, il est fermé. Attention. Alors, ça, c'est... Ok. Bon, là, on tombe dans l'eau, nickel. Là, j'ai spammé B comme un débile. Je suis tombé au bon moment. Parfait. Là, on sort, je me déprécipite, je me dis vas-y, il est pas load. Là, j'y vais, et là, non, je m'arrête. Demi-tour. Quelle tristesse. Bon, c'est pas grave. Ok, go. Allez, on chie clip là. Hop. Je l'avais fait comment la dernière fois? C'était un truc comme ça, ici, là, je crois. Ok, nickel. On va se mettre plus comme ça. Non, c'est pas ouf. On va mettre plus comme ça, peut-être. Il est pas bon, ce skew.
J'ai un peu fait de la merde là. Bizarre. Peut-être plus là. Oui, je crois que c'est mort. J'ai bien une sauvegarde là ? Non. On va la refaire, la sauvegarde. En plus, sanctuaire était super moche. Avant d'avoir changé, tu aurais dû y aller juste pour voir à l'intérieur. Bah oui, de toute façon, c'est pareil. Enfin, c'est juste. Il est pas l'autre quoi. Attends, j'ai un skew là ou pas ? J'ai pas de skew. Et bah, on en active un. Ok. Il pourrait passer ce skew, je crois. Abdorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et Evro, qui a payé pour boire de l'eau ? C'est l'heure de boire de l'eau dans le chat ! Tout le monde peut boire de l'eau, ça me fait du bien. C'est bien d'y penser à l'eau, parce qu'à chaque fois, j'y pense pas et c'est pas bon, ça. Et inutile hein, de vous excuser, hein, si vous êtes pas là, hein, vous êtes toujours les bienvenus, les amis. Hein. Bienvenue à toi, en tout cas. C'est qui a dit ça ? Charlie. Coucou, Charlie. Hop. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Juste comme ça, là. Voilà. Ok, il y a un beau skew. Allez, go. Merde. Bah, arrête. Ça m'énerve. C'est bon. Oh, dommage. Oh, c'est pas mérité, là. Attends, j'en réactive un. Je crois que j'en ai plus là. Ah si, j'en ai encore un. Non, j'en ai plus. Il est bizarre. Il est trop bizarre. Ah, quoique, il passe en vrai. Attends, je vais me mettre là. Bon, là, je l'ai enlevé. J'en réactive un, vite fait. Je recharge et on le passe. Il est temps d'y passer. C'est marrant, hier, on y arrivait tout le temps. Là, ça fait deux fois qu'on y va et ça passe pas. Oh, dommage. Bon, attendez, hop. Davgun, comment est-ce que ça avance ? Bah, nickel, Davgun ! Oh, je commence à gérer. Bah, il y a que deux tricks qui sont chauds. Et encore, je commence à un peu maîtriser le BTB, bah, du coup, pour aller ici. Sauf que, bah, maintenant, c'est le fall damage cancel qui me fait peur. Enfin, c'est le fait de sauter dans l'eau ou les choses comme ça. Et sinon, bah, le box launch, que j'ai du mal. Mais tu me feras pas faire du planche, hein. Je suis pas un plancton, je fais pas du planche launch. Jamais. Je refuse, je me refuse littéralement de faire un planche launch et je me taperai ce box launch jusqu'à ce que j'y arrive. Voilà. Ok. Il est bizarre le skew là. Bon, ça m'énerve. On recharge, on recommence. Et Nonoé qui est là aussi. Bienvenue Nonoé. Allez, on se concentre. Là, j'ai eu un unload. Davgun, juste te montre. Regarde, j'ai fait la pire connerie du monde. J'arrive, tranquille, on vole. Là, je mets la caméra en haut en me disant ouais, je me la pète, je sais pas où je vais, mais je m'en fous, j'y vais quand même, j'évite les arbres. Après, je remets bien. On tombe dans la flotte. Ok, tranquille. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Attention. attention, c'est unload, j'y vais. Nope, j'y vais pas. Et je fais un petit aller-retour parce que, en gros, ce qui s'est passé, je pense que je faisais un Winston Sprinting. Et quand je passe de Winston Sprinting à mode normal, je fais de la merde. Et je tape des demi-tours comme ça, de façon débile. Attendez, juste... Non. C'était genre... Non. Quelle tristesse. Bon, on continue. Nous, on fait notre clip. C'est bizarre, il fait pas ce que je veux. Oh. Le skew est comme ça. Allez, hop. Il est bizarre le skew. Je vais aller par là peut-être. Ah, il est mieux là. Attends, on va le faire comme ça du coup. Peut-être plus comme ça. Il est presque bien là, je crois. Attends, je vais me préaler là. Ah, pas la bonne frame. Sorry, trompé de frame. Et du coup, ça a nickel le skew ça. Non, c'est bon. Oh, le bouclier, j'ai oublié de l'enlever. Bon. On commence.
Ah, faudrait que je réabo le bot. Ça fait combien? Ça fait une semaine qu'il est... que ce con, il essaie de faire des émotes, mais il n'y arrive pas. Faut que je le fasse tout à l'heure. Faites-moi penser à la fin du live. Oh, je le ferai demain. Mais vas-y, je le ferai demain, j'ai pas y penser. Hop. Oh. J'ai un skew dégueulasse là, je crois, c'est ça? Non, j'ai pas de skew. Tu l'as jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit, comme d'habitude, Imagine Spaghetti. Pour exclamation planning, si tu veux le lien du planning. Pour connaître les horaires de live. Et aussi les jeux auxquels on joue. Allez, c'est chiant. Oh, mais... ça va plus, là. Dès que Dafgun arrive, tout devient pourri. C'est incroyable. Ça m'énerve. On se concentre. Hop. On a un skew, là. On a un petit skew. Oh, on a un beau skew, là. Vas-y, on y va. On le passe. Là, il est beau. J'en ai ras le bol. J'en ai marre de ne pas réussir à faire mon skew. Mais c'est bien, j'aime bien practice ça. Le SC, c'est quand même mon truc préféré dans la vie. Sinon, il n'y aurait pas un endroit plus sympa pour l'activer? Ça se trouve, c'est sûr, je m'entête sur un truc alors que vaut mieux le faire là en fait. Voilà. Là, il est pas mal. Vas-y, je recharge et on y va. Salut, Shady Business. Bienvenue à toi, Business. Ça fait plaisir de te voir. On va avoir le SC comme truc préféré dans la vie. Bah, moi, j'adore. En plus, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent. Quel plaisir d'aimer les choses que les gens détestent. Non, c'est un peu con. C'est un peu con comme façon de voir les choses. Oh là là, il aurait dû passer. Gna. Allez. Il m'énerve. On l'a vu, hein. À chaque fois, on rentre dedans. De toute façon, mon truc préféré dans la vie, c'est les pâtes. Ah, sérieux? Moi, je mange de moins en moins de pâtes. Je me rends compte, avant, je mangeais que ça. Maintenant, je bouffe que du riz. Mais j'aime de moins en moins les pâtes, j'adore que le riz. Quand j'ai envie de bouffer un truc, soit de la semoule, soit du riz. Et les pâtes, mais ça fait genre pas mal de temps que je n'ai pas remangé. Je sais pas ce que j'ai. Une sorte de antipathique. Je suis antipathique. quel délire. Je pense que j'en ai trop mangé des pâtes en fait. C'est ça le délire. Bah, la semoule, c'est incroyable. Et la semoule, mais c'est tellement magnifique qu'il suffit de... Ça se fait en 2 secondes la semoule. Ça se fait en 2 secondes. Tu veux de la semoule? Pof! En 30 secondes, tu l'as. Tu fais chauffer autant de quantité, enfin, autant de volume de semoule que d'eau. Et pff, t'es bien. Ah, j'adore les pâtes, mais genre cuisiner avec 1000 trucs. Ah oui! Ouais, moi aussi, c'est bah, peut-être pas 1000 trucs, mais quelques trucs. Hein. Les pâtes sans sauce, bah si, j'aime bien. Les coquillettes au beurre, en vrai, j'aime bien. Juste ça, tu vois. Ça passe. Ou les spaghettis. Mais les spaghettis avec au moins une sauce tomate, quoi. C'est bon, enfin, on est passé. Pff, c'était long. Un bon risotto. Oui, un bon risotto. C'est vrai, j'aime bien le riz, mais les pâtes carbo, c'est tellement bon. Ouais. Une heure pour passer ça. Hop là. Cette musique toute douce là. Pour arriver dans le sanctuaire le plus doux du jeu. Le sanctuaire le plus doux of the world. Non. Moi j'aime bien, en ce moment je prends que du riz complet. Mais il y a plein de riz différents, c'est ouf.
C'est ouf le riz qu'il y a. Mais je me dis que le riz complet c'est mieux. Mais je trouve que c'est de la connerie. Le... Mais c'est complet quoi. Les choses complètes, c'est complet comme pain complet. Salut Rogue. Bienvenue Rogue. Rogues. Alors, ça c'est cool. J'ai un basmati au jasmin. Oh, basmatin. J'ai commandé du riz directement au Japon pour avoir le top du top. Est-ce que le riz qui pousse au Japon est meilleur que le riz qui pousse en Europe? Moi, je pense que c'est juste un délire un peu débile, mais je pense pas que ça reste du riz, quoi. Qu'il soit fait au Japon, ça fait comme si... je sais pas, moi... Ça fait comme si, je sais pas, tu commandais du sel en Bretagne, parce que le sel breton, mais bon, ça reste du sel, hein. Enfin, non, ça reste pas du sel, mais... Bah, si, quand même. Ouais, il y a des riz différents, on est d'accord. Mais moi, je trouve que le concept de « je l'ai jeté là-bas » parce que pff, ça pousse pareil, hein, ça va être un truc qui pousse, quoi. Mais je comprends. Je comprends qu'il y a un petit côté. Après, souvent, les choses qui sont psychologiquement... si tu te dis psychologiquement que c'est meilleur, ça va être meilleur. Parce qu'on est cons un peu, les humains. Non, nous sommes... Parti! C'est ici qu'on récolte la moitié du sel français. Oui. Hop. 1, 2, 3, 4. Le box launch, et oui, on adore le box launch. Ok. 1, 2, 3, 4. On est mort ! Aïe ! Et on a un follow de Max Alex 182, bienvenue à toi Max Alex. Et rebonsoir Guillaume T et coucou à Pipou Nipou. Pipou Nipou, c'est marrant comme ça me fait rire. Ah c'est pas bon là. Allez relève-toi petit coucou smock. La la la. J'aime pas cette musique, elle m'a saoulé. Pardon, désolé à tous ceux qui l'adorent, moi elle m'a saoulé. Elle m'a grave énervé. À tes nos villages. Je me rappelle même plus la musique des limites. C'est pas les limites, ça. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas mal. Je sais pas ce que c'est un schist lunch. Squalala, nous sommes partis. Hop. Oh, fais pas ça le toi. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout? Il y a un beau coup qui est caché derrière. Toi, tu vas pas nous faire chier avec ton tonneau de mort? Voilà, je veux plus voir ton tonneau à la con. On va là-haut, on se met là, là, là. On attend, on se met ici. Oh. C'est lui? C'est mort. Normalement, on est pas censé tryhard ça. Hein. Moi, je tryhard, je m'en fous. Hop. Nous sommes pas dans la bonne direction! On recommence. Le box launch, c'est parti. Let's go to box launch. Après le PB pace d'hier soir, j'ai dit fuck le speedrun Breath of the Wild. Pendant quelques jours, je retourne sur le Any Person de Zelda TP. Nice, hein. C'est bien, Dagun, t'as raison. Fais ce qui te plaît et fais des pauses. Les pauses, c'est cool. Hier, j'ai raid Zelkis et Zelkis disait que c'était bien de faire des pauses. Et au final, moi, je suis d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Ça te permet de perdre les mauvaises habitudes que tu peux choper. Après, je sais pas si t'as eu le temps de poser. Ah ! Pardon, j'aurais pas dû hurler comme ça. Bon, j'aurais pu ne pas hurler, mais bon, quand même. Il y a du respect pour respecter les humains. Bon, clairement, c'est vraiment l'endroit où ça craint.
Mais je ne céderai pas à la tentation de passer au planche launch et à passer au clip classique plutôt que l'extended du clip. Hein. Moi, je pense qu'on va y aller à l'arrache. Non, peut-être, je sais pas. Le speedrun Breath of the Wild, c'est juste une excuse pour faire une pause de Super Mario Odyssey. Non, je retournerai pas, je pense, sur Super Mario Odyssey. Hop. 1, 2, 3, 4. Ah ! Pardon. Je vais me concentrer sur la map, la minimap. Je vais me baser en fonction du placement sur la minimap parce que ça m'énerve. Salut, SunPGM. Bienvenue à toi aussi. Hop. On la voit la minimap là ? Voilà, on la voit bien. Oh, attends, limite, j'ai même pas besoin de... Attends, on va se mettre comme ça. Là, normalement, je suis bien. Donc, il faut que je me place... ici. Là, là. Non, plus comme ça. Voilà, ici, là. Allez, c'est bon, c'est parti. On y retourne. Connard, pardon. Pas sympa. Speedrun et sponsor l'isopaïne. Et sponsor l'isopaïne. Allez. Allez, 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 c'est reparti. Et salut Matisse 10 cacarotte. Trop drôle. Cacarotte, MDR. Hop là. Ok. 1, 2, 3, 4. Allez, allez, mais caméra. Pardon, faut que j'arrête de faire le mbalamboum. On se rappelle que hier il a galéré comme jamais. Bah aujourd'hui aussi. Hop. Tonk, 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 tonk. Ok, let's go. 1, 2, 3, 4. Ça m'énerve de ouf. De ouf, ça m'énerve. Ah. Bon. Hop là. Et Max Alex qui est là aussi. Attends, j'ai pas vu ton message, je lis juste après. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit Max Alex ? Je m'intéresse trop avec tes vidéos de glitch sur YouTube et j'ai vu que tu streams sur Twitch et je viens te télécharger et t'abonner. Et bah bienvenue, bienvenue Max Alex. J'espère que ça va te plaire. Là j'apprends le speedrun Breath of the Wild. Et du coup, bah, je découvre, en même temps que tous ceux qui... Allez. C'est pas bon, là. C'est vraiment pas bon. Bon, en vrai, si, c'était bon, en fait. Allez, placez-vous. Vous voulez pas vous placer ? Vous voulez pas vous placer ? Placez-vous. Place-toi, toi, au lieu de lancer des cailloux. Voilà, c'est bon. Il est mal placé, là. Il est clairement mal placé. Là, je vais faire un BTB. Je vais même pas faire de BTB, là. C'est quoi ce délire? Allez, placez-vous, les frères. Les frères jumeaux. Allez. Et casse-toi avec tes cailloux de merde! Bonsoir. Bon courage pour cette session d'entraînement. Et bonsoir, Varnus. Et merci beaucoup pour tes 100 bits. Mais casse-toi, toi! Au moins, il donne des flèches, mais... Ah allez, on a plus de bouclier, on recommence. Ils m'ont saoulé les deux là. Mais merci beaucoup Barnus hein, pour tes 100 bits. Et on a un follow de Matisse10cacarotte. Bah, merci pour ton follow Matisse. Alors, ok. On se concentre de façon claire. J'allais chercher un mot cool mais voilà. Voilà. Comment se concentrer hyper mal. Oh. En fait, il se place bien quand tu te tournes en montant assez vite. Également, quand tu montes vite dès que tu arrives. Ouais, ouais, bah oui. Mais bon, j'étais trop loin, quoi. Du coup, j'ai pas pu. 1, 2, 3, 4. En vrai, je pense... Je vais me déplacer que s'il y a besoin. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment tant que ça de se déplacer de base. À moins que j'arrive à être précis, mais je peux pas être précis.
On peut pas être précis en se dépêchant comme un débile et essayant de tirer à un bon endroit. Ah, j'ai peut-être trouvé une strat en fait. Je viens de trouver une strat. Oula. Oh. Bon, que ça passe. Ah, faut pas qu'il m'entende. Oh, des flèches. Pourquoi il y a 10 flèches là? Il y a toujours eu 10 flèches ici. Trop tôt, enfin trop mal. Connard de mort. Vas-y, casse-toi. J'aime bien essayer, j'adore essayer les choses. Il s'est pas replacé. C'est la box qui a dû se casser, l'anneau. Comment ça? Moi je dis faut s'accroupir peut-être. Bon, tu veux qu'on s'accroupisse? Si tu veux. De toute façon les gens, ça sert à rien, c'est pareil. Hein. Tu t'accroupisses ou que tu fasses autre chose. Il y en a qui le font debout, moi je le fais avec le bouclier. Il y en a d'autres qui pourraient... J'ai jamais vu personne le faire accroupi, mais si tu veux, on va faire accroupi. Hop. Et salut Tetsu, Emmanuel, la pizza YOLO. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était marrant cette technique. Allez. Oh, on l'a tué. On est mort aussi. Spoiler, il faut pas s'accroupir. Vas-y, on réessaye accroupi. C'est marrant, on réaccroupit. Moi, si j'arrive à refaire la même, c'est trop drôle. Mais en vrai, il faut pas s'accroupir. Mais c'est marrant, on est d'accord, c'est marrant. Mais c'est de la merde. Enfin, là, si ça nous fait nous éjecter, on perd beaucoup trop de vie, en fait. Et après, ça nous nique le windbomb d'après. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. On va rester accroupi, voir si c'est juste une padball ou... Ah ouais. Ah, parce que j'étais manqué de mouvement. Mais après, ça change rien qu'on soit accroupi, en fait. C'est pareil. C'est la même. Pom 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 pom. Moi je pense qu'on va pas faire accroupi. On réessaye encore accroupi. 1, 2, 3, 4. C'est la même, c'est pile poil la même, ça sert à rien de s'accroupir. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. En fait, j'ai compris les secrets de ces prémices. Ah, j'ai compris les secrets. Là, j'ai reculé un peu trop tôt. En fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir un angle précis, il faut préparer son angle avant, pas pendant qu'on tournoie en fait. Il faut bien placer la caméra et à partir de là, on se met bien. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait, techniquement? On monte là? Oh non, mais fais pas de la merde. Vas-y, on s'en fout, on tournoie. L'avantage de tomber dans l'eau, c'est que bah il suffit de remonter, on perd pas trop de temps. Voilà. On prend les 10 flèches qui sont là. Elles sont où les 10 flèches? Elles sont pas censées être là? Ah, j'aurais dû monter plus vite. Je suis trop lent. Eh, venez les petits coups. Ok, on est bon là. Où est-ce qu'on arrive? On arrive pile poil sur la hitbox du gardien, je crois. Ah, quoique. Quoique. On peut être greedy. Je vais être greedy parce que je suis débile. Dommage. Moi aussi, j'essaie de speedrunner Breath of the Wild, tes tutos. Et bah, bon courage, Max Alex, en tout cas. Tu fais des best-of sur YouTube, sur Twitch après tes lives? Comment ça? Ah, non, je fais pas de best-of. Bah, c'est chiant à monter les best-of, du coup, j'en fais pas. Je préfère faire d'autres trucs. J'aime bien pas faire le même contenu sur YouTube et Twitch. Ça me permet de diversifier un peu ce que je fais et me faire des trucs plus intéressants. Des best-of, c'est chiant. C'est du travail à la chaîne, je trouve. Dérocher des trucs de 10 heures, c'est hyper chiant.
Là, j'ai mal géré mon angle. J'aurais dû préparer mon angle bien avant. Bien avant. Mais c'est cool. Là, j'ai compris. Ça, là, je suis fier de moi parce que j'ai compris comment faire le box launch. Et là, ça va me réduire drastiquement ma probabilité d'échec. En gros, il faut placer la caméra bien avant. Ok, donc là, la caméra, elle est plus ou moins bien placée. Ok. Et bah là, le problème, c'était que, je sais pas, fallait que j'aille plus à droite plutôt que aller en arrière. Et on a un follow de Charles. Bienvenue, Charles. Moi aussi, je suis déjà arrivé à Ganon et j'ai mal paré une de ses attaques de feu et le feu m'a tué. Mourir par le feu. Brûlure. 1, 2, 3, 4. Là, j'étais trop loin. Donc là, ils vont se placer. Ah, c'est bon, parfait. Nous sommes partis. Ouais. Direction le plateau. Enfin, pas le plateau, mais le sanctuaire de la Renaissance. Bonjour, sanctuaire. Pam pam pam. Hop là. Oh non, je vais pas recharger là. Mais merde. J'ai ragé car ça faisait 1h30 que je runais et j'ai arrêté la run. Tu es au viaduc d'Ilia là, mais carrément. Carrément, c'était direction le, ouais, le gros pont d'Ilia. Salut, Yito et Arsk. Et bienvenue à vous deux. Alors, nous, voilà, nous voici. Et Geeks qui est là aussi, coucou Geeks. On sauvegarde pour avoir une sauvegarde toute propre ici et on retente. J'ai mal visé normalement. On se replace bien. On se concentre. À 2000%. Concentration maximum pour une réussite impérative. On se met bien là. Dommage. Le pire, c'est que ce n'est même pas le box launch que tu galères le plus, c'est sur le BTB qui est après. Oh non, c'est sur le box launch que je galère le plus. On a fait que 3 fois le BTB. Salut Wartets et Noé. Bienvenue à vous deux. Hop. 1, 2, 3, 4. Oh, il n'a pas tiré. Il n'a pas tiré ce petit Link. Tang 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 tang. Allez. 1, 2, 3, 4. Je vois pas où est la flèche, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Moi j'ai un strat au cas où je fais le box launch, hein, je passe sur le côté. Oui bah, mais moi je préfère le tryhard. Parce que mon but c'est pas, autant pas le faire si c'est pour ne jamais y arriver quoi. Donc, c'est pour ça que je veux le tryhard, mais là ça m'a saoulé en vrai. Ça fait trop longtemps qu'on tryhard ça, ça m'a gonflé. Allez place-toi. Et place-toi. Pas que j'ai été lent là. Place-toi putain. Vous faites tout chier. Pardon, ils m'ont vraiment gonflé, là. La la. La 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 la. La la. La 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 la. Et coucou, Gabi. Comment ça va, Gabi? Pom pom pom. Hop. 1, 2, 3, 4. J'ai pas bien placé la caméra avant. J'ai fait de la merde, à fond.
Salut, désolé si ça a été posé, mais c'est quelle version ? Point d'exclamation BOTW Dovatic, tu auras un résumé de tout ce que tu. Toutes les questions que tu pourrais te poser. Allez, venez. Il m'a oublié, lui. Oh là là, mais il est con comme une huître. Allez, viens. Mais lance ton tonneau, toi. Allez, mais venez. Oh là là, mais il va rebalancer un truc. C'est bon. Mais place-toi. Allez, vas-y, on va tenter sur lui. Ah, c'est mort. On recommence. Ah, t'as le Covid, Gabi. Bah, bon courage à toi. Et repose-toi bien. Hein. Dors beaucoup, bois de l'eau. Je sais pas ce que je pourrais te donner comme conseil. Bah, demande à des médecins, ça serait peut-être mieux. Mais en tout cas, bah, bon courage. Et essaie de voir un minimum de gens, ce serait bien. Ou voir personne, ce serait mieux. Hop. C'est trop à droite, là. C'était trop à droite, hein. C'est parce que j'ai pas regardé avant. Et du coup, bon, on est reparti. Ah, c'est bon, il a mis le pavé. Tu l'as peut-être pu voir, Dovatic. Normalement, ça répond à tout. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à les poser. Hein. Je serais ravi d'y répondre. Mais à chaque fois qu'on me pose des questions qui sont répondues là-dedans, je préfère ne vous donner la commande. Ça m'évite de reposer la même question, enfin de répondre aux mêmes questions à chaque fois. J'ai encore raté. J'ai mal placé la cam. Il faut que je me concentre là-dessus. J'ai pas l'habitude de me concentrer là-dessus et ça m'énerve. En fait, il était bien placé, voilà. Ah ouais ? Il était bien placé ? Non. Si ? Non. Si ? Non, je crois pas. Moi, je trouve que Zavgun, t'es méchant, en fait. Dans le fond. Hein. J'ai oublié de passer la caméra encore. Allez, taras. Ça me casse les ploupins. Oh ! Tu penses... Oh non ! Que penses-tu du DLC fait par des fans ? J'allais dire je m'en bats les reins, mais c'est pas sympa. Je sais pas, je ne sais pas, puisque je n'ai jamais vu ce que c'était. Hop. Attends, on se concentre. 1, 2, 3, 4. J'arrive pas à la prendre la flèche. Oh. Allez, c'est parti. On essaiera peut-être hein, ce truc-là, enfin ce mode qui est que tout le monde, enfin, y a beaucoup de gens qui en parlent, je sais pas pourquoi. J'ai vu 3 personnes en parler, c'est pas beaucoup 3 personnes, mais... Hop. Hop là. C'est chiant de ouf. Ah, il est bien placé là. Et pas moi. Ça me gave de ouf. Et je veux pas de backup threat ici, hein. Ça me fait chier, je veux y arriver moi. Allez vous faire foutre avec vos backup threats. Pardon. Et là je commence à être... Ah, insultant, c'est dégueulasse de réfléchir comme ça. Bon, en même temps c'est chiant de pas y arriver. Hein. C'est vraiment perturbant, ça fait une heure qu'on est là-dessus. Moi je me lance dans l'Any Percent No Glitch de Zelda Link's Awakening. Ah bah, je comprends pourquoi tu fais le no glitch, parce que ouais, le avec les... Avec les glitches, il y a une RNG de porc. C'est mini retin qui speedrun ça et à chaque fois. J'ai envie de péter un câble. Hop. Nanananana. Allez, on grimpe. Ouais, casse-toi. Petit con de mort. Salut, je dois y aller. Eh bah, ben, salut, hippie. Et de travailler bien ou dors bien en tout cas. À chaque fois je... Oui bah oui. Bah oui, c'est pour ça que j'arrive derrière lui, c'est parce que je vais trop loin. C'est mon souci, la gueule, on est d'accord. 1, 2, 3, 4. Et là, la caméra de merde. Pardon, c'est moi qui suis mauvais, ça va pas marcher. Oh bah pas mal en fait. On va pas se plaindre, ça aurait pu être pire.
Il est trop loin là. Bon, je peux essayer, mais. Pont de mort. Bon, j'en ai marre d'être ici. Et donc, on va aller ailleurs. Et comment on va faire? En réussissant ce trick de mort, tout simplement. Hop. Nickel, on est bien placé. Oh. On va où là? Où est-ce qu'on va? Pff, elle était bonne là. Ok, on recommence. Et salut le gamer du 97. Bienvenue à toi. Bienvenue le gamer. Bon. Ce qui est bien, c'est que sur le prélude, bah, y a que... bah, maintenant, il n'y a plus qu'un moment qui nous fait chier, c'est celui-ci, donc tant mieux. Et surtout que c'est un moment qui n'est pas... Bah, c'est quand même un peu vénère. C'est un peu vénère parce que le BTB, ça fait perdre beaucoup de temps si tu le rates. Alors que bon, le box launch, c'est pas non plus trop catastrophique de le rater. Là, j'ai encore fait de la merde. Hop là. Ah, il y avait des flèches dans la caisse. C'était ça tout à l'heure qu'on avait trouvé 10 flèches. C'est RNG la quantité, les choses qu'il y a dans la caisse. Et donc là c'est tombé sur 10 flèches. Enfin, et là c'est tombé sur 2 flèches là par contre. Allez, fais pas chier. Placez-vous, placez-vous, placez-vous. Mais placez-vous, putain. Qu'est-ce qu'il porte, Link? Il vient de manger un truc là-dedans? Mais qu'est-ce qu'il branle? Ça me fait chier, ça me fait vraiment chier ça. On recommence. Nanana. Pense à tourner un instant la caméra vers le bocal quand tu montes l'échelle. D'accord. Ah c'est ça, il y avait des strats pour un peu manipuler la RNG, enfin pas la RNG mais là. L'IA des mobs. Allez, mais putain. Bam bam bam. Allez. Un, deux, trois, quatre. Ils m'ont pas vu. Go. Ah, en fait, je pense qu'il faudrait que je tourne la caméra pendant que je grimpe, plutôt que de me taper un demi-tour et appuyer sur ZL. Ça serait peut-être plus malin, parce qu'on a vraiment le temps de tourner la cam. Un, deux, trois, quatre. C'est encore raté, ça. La caméra était pas bien placée. Ça passe. Allez, saute. C'est con, j'aurais pu récupérer la flèche qui vient de tomber, mais non. Ça va pour aujourd'hui. Trottoir de mobs. Bon, c'est bien, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer, c'est cool. Le fait de retourner la caméra, c'est un bon conseil que Dagon nous a filé, ça fait plaisir. Et salut Xyder. Ça va et toi, comment tu vas? Nanana. Allez, on est à fond, on se concentre comme des oufs, on fait ce box launch. Là c'est bon.
peut-être qu'il est pas ouf, mais en tout cas c'est pas mal. Ouais, une petite backup threat, enfin pas une backup threat, mais qu'on trouve un moyen de pas mourir. Alors il faut viser un endroit précis, c'est là, il faut s'aligner avec ça, je crois. Je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est bon, j'espère. Et ensuite c'est ici, il faut s'aligner avec... Je sais plus, avec quoi faut s'aligner ici. Ah, c'est là encore. Ah non, achète pas ton hache, ta hache, petit con. Mais arrête! Oh, Link! Franchement! Mais te retombe pas, du con teignant. Allez. Ok. On se concentre. C'est bon ça. C'était vraiment stylé ça. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai lancé ma hache. Bah, je vais essayer de... J'ai pas eu le temps d'en parler, mais... J'ai lancé ma hache. En fait, le Fall Damage Cancel, ça consiste à lancer une arme. Et au moment où tu la lances, tu changes d'arme ou de bouclier pour pouvoir initialiser ton animation et donc pas prendre de dégâts de chute. Et là, le truc, c'est que... Bah non, j'ai essayé de changer d'arme, mais le problème, c'est que j'ai... Mon arme était déjà lancée au moment où j'ai voulu la changer. Vu que j'ai pas d'autre arme, j'ai pas pu changer d'arme. Et donc, j'ai appuyé vite fait sur pause pour avoir le temps de prendre les boucliers et d'enlever un bouclier. Et voilà comment ça s'est passé. Il y a un truc que je voulais tester aussi. Je me suis posé une question à ce moment-là, je vais essayer de voir ce que ça donne. Attends, hop. Bon. Donc, j'essaye un truc, c'est si je fais ça et que je reste appuyé... Non. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, on met le bouclier. Oh. Je sais pas si j'ai un... Je sais pas si j'ai le ragdoll glitch actif là. Je crois que je l'ai plus en vrai. Je sais pas, bon, on verra. Bah, si j'y arrive pas, c'est à cause du ragdoll glitch, on va dire. Aïe aïe aïe. Ragdoll glitch, je crois. Dommage. Bon, on l'a plus normalement, techniquement. On le refait. On va prendre un peu de vie quand même. Hop là, on vise ici. Oh, c'est dommage ça. Allez, go. Lève-toi. Hop. Et coucou Goldo. Ça fait plaisir quand on tryhard pas, enfin quand ça passe un peu plus vite. Je foire tout le temps. Oh, moi je l'aime bien. Bah, les petits windbombs galèrent à caler, j'ai quand même pas mal d'habitude. Après je le faisais sur CMU et c'est pas pareil, c'est pas les mêmes timings sur CMU. Enfin c'est pas le même timing, c'est plus fluide. Et donc quand c'est plus fluide, j'appuie sur les boutons plus facilement. Et sur Switch j'ai un peu de mal on va dire. Mais j'adore moi les windbombs galèrent comme ça sur une hauteur de merde. Il faut être à fond. Enfin, j'ai eu de l'habitude on va dire. Bon. Attention, le wind bomb de la mort qui tue. The killing bombs. Perso, mon setup, c'est celui depuis la plateforme où tu arrives. Ah, bah celui-ci, je le préfère, celui que tu fais, Davgun, parce que tu peux arriver directement au monk. Et moi, je veux faire ça, je veux pas faire le truc de merde où tu pries que tu arrives sur le truc qui t'envoie de l'autre côté. Ça, c'est naze. Moi, je veux le truc où tu pries d'arriver directement au monk. Ça, j'aimerais trop le faire. Ah, mais c'est pas possible ça! Vas-y, on fait à l'arrache, on s'en bat les reins. Oh, mais pas à l'arrache deux fois comme ça! Le problème de timing là. Problème moteur. Oh. Allez, viens là, toi. C'est usant.
Bon, il a pris la marche, mais c'est passé. Ok. Faut pas attendre, j'y vais. Ça m'a saoulé. Le truc de l'arbre, c'est vraiment de la merde. Le connard qui a inventé les arbres dans ce jeu, mais c'est un méchant. C'est l'incarnation de la méchanceté. Est-ce que tu sais quand il y aura le randomizer pour les Mac? Non. Je t'avoue, je suis pas le SAV du randomizer. Va voir sur le... Mais ils le feront... Je sais pas. Ouais, je pense qu'il le fera... Narwaldo, il y a beaucoup de demandes, du coup, il le fera sûrement. Mais bah, il faut aller plutôt sur son sur le Discord de... Sur le Discord... bah, du randomizer, t'auras plus de réponses à ces questions. Ouais, c'est affreux le Trilune, c'est à cause de ça que j'ai foiré tous mes PB. Mmh. Hey, coucou Julgain, good luck pour le training du speedrun. Tu learns avec ton propre tuto? Non, bah, mon tuto c'est de la merde, non je rigole. C'est vrai que je l'ai même pas regardé mon tuto pour l'apprendre. J'ai pris une route record du monde, enfin le record du monde du prélude et j'essaie de faire pareil. Mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Et en tout cas, coucou Julgain et félicitations à toi pour la petite icône que tu as chopée à côté de ton pseudo. Ça, c'est une belle icône qui est bien stylée. Je suis passé vite fait voir tes émotes aussi, t'as plein d'émotes trop cool. En tout cas, ouais, félicitations à toi. C'est génial. Hop. Allez, on s'entraîne au BTB là. On va faire quelques essais. Il est 20h52. On va jusqu'à 21h. C'est pas beaucoup, 8 minutes, mais... On va voir. Et bon courage en tout cas aussi pour tes runs sur The Wind Waker HD. J'ai vu passer 2-3 trucs, c'est trop cool. Et il y a un moment, il y a un trick que je t'ai vu faire... dans le donjon de... Je connais pas les noms des donjons. Où tu dois faire un petit saut... comment ça s'appelle? Ah putain, je fais n'importe quoi. Un petit saut... en portant un... Non, bah, je saurais pas expliquer. Bon, je t'en parlerai si je reviens sur ton stream et que je te vois à ce moment-là. Mais c'est un truc que... Je fais n'importe quoi. J'ai oublié de réfléchir, là. Allez, on se concentre. On se remet bien. C'est cool, parce que ça veut dire que j'ai pas encore les automatismes pour ce truc-là. Et que quand je suis déconcentré, j'arrive pas à le faire. Et ça veut dire qu'il va falloir tryhard encore. Salut tout le monde, bonne chance pour le BTB, je le réussis jamais. Ah bah moi non plus. Enfin, je t'avoue, on l'a pas encore réussi une seule fois pour l'instant. A chaque fois, j'ai pas assez d'endurance pour arriver jusqu'au bout. On a réussi à faire de beaux BTB, mais ça suffit pas pour y arriver. Ah, j'ai mal visé, je crois. Dommage. Et The Guitar Player, coucou The Guitar Player, bienvenue à toi. J'ai confiance en toi. Ça sert à rien d'avoir confiance là, moi j'ai... Ouais, est-ce que c'est de la confiance? J'apprends, on chopera des automatismes au bout d'un moment. Ça va se faire. Ça va bien se faire. Mais ça j'adore en vrai. Hein. Je comprends. Enfin non, je sais pas, en fait je sais pas trop quoi penser. Je trouve ça insupportable, à la fois insupportable et à la fois super marrant. C'est vraiment des trucs de merde. Hein. Tous les tricks de Breath of the Wild sont pourris, hyper durs, mais c'est marrant. Oh bah j'étais si lent que ça. Je pense pas que j'étais si lent, en vrai, niveau timing. Et coucou Croquette, merci pour ton follow. C'est quand même bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se passent un peu chelous, parce que normalement, tu fais tout le temps la même... Enfin, là il y avait une grosse différence au niveau du timing, j'ai perdu une demi-seconde, et je sais pas où aller cette demi-seconde. C'est bizarre. On se concentre. Oh là là, c'est pas possible. Dans 20-30 ans, je crois que je me suis mal placé là. J'ai fait que de la merde. Mon setup il est un peu pourri là. Il y a quelqu'un qui a payé pour boire de l'eau. C'est Mindy que je crois. On va pouvoir boire de l'eau dans le chat. Hop là, de l'eau. Hop. Quel plaisir. Un peu d'eau. Je trouve que pour speedrun ce jeu, c'est bien une plus technique que SMO. Oui et non. Oui parce que quand tu fais une route débutant sur SMO, bah c'est facile. Mais essayer de faire le record du monde sur SMO, c'est hyper dur. En vrai, il n'y a pas les mêmes routes. Enfin, SMO est beaucoup plus fourni niveau route que Breath of the Wild, en fait. Beaucoup trop tôt. Et beaucoup trop mauvais.
C'est pas comparable, moi, je trouve. SMO, bon, bah, il y a une lune que t'arrives pas à faire, t'en prends une autre. Pff, tranquille. Là, Breath of the Wild, il y a un sanctuaire que t'arrives pas à faire, bah, tu le fais. Tu te démerdes, tu le fais. Et enfin, du coup, c'est plutôt. Ça va être plus des BTB, ça va être plus des shield clips, mais t'es obligé de les faire, quoi. C'est ça le problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais. C'est, les jeux n'ont rien à voir au niveau speedrun, hein. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Link, il est allé mais complètement à côté de la plaque. Tom. Oula. Alors là, c'était pas assez haut. Et un peu tôt. Mais je pense, niveau trajectoire, bah. Je sais pas si c'est que ça le problème. Bon, là, c'est de la merde, enfin, clairement. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas exactement quel est le souci. Qui a le record du monde ? C'est Razen Runs qui a le record du monde. Sur SMO, il y a plein de routes possibles. Le jeu est un monde ouvert. Non, pas vraiment un monde ouvert. C'est plutôt Breath of the Wild qui est un monde ouvert. Où tu dois récupérer des lunes de partout sur la map, alors que Breath of the Wild, tu dois uniquement chercher 4 sanctuaires. Et puis aller battre Ganon, c'est plus restreint. Ouais. Hop. À chaque fois, j'oublie de siffler. Et là, trop tôt. Enfin, trop tard, pardon. C'est rigoureux. Ça demande beaucoup de rigueur et j'aime beaucoup la rigueur. Non, j'aime pas la rigueur, je sais pas. Moi, quand j'étais à l'école, ma prof, elle me disait « Manque de rigueur, manque de rigueur, manque de rigueur. » Et au final, bah maintenant, je fais du speedrun. Bah du coup, elle m'a donné envie d'être rigoureuse. Rigoureux, plutôt. Breath of the Wild est plus ouvert que SMO. Mais qu'en casual. Ah. Bah, c'est juste, oui. Si tu veux, mais bon. Je sais pas ce que t'appelles ouvert. Enfin, pour moi, un monde ouvert, c'est un monde ouvert, quoi. Mais... Il est pas passé. J'ai sifflé pourtant. Je suis sûr que j'ai sifflé. Link qui fait son truc et il y a personne en bas pour lui dire « Ok, vas-y, c'est bon, tu peux le faire. » Je suis parti dans la catégorie Best of Commentaires du Discord. Ma journée est refaite. Ah, c'est marrant, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Enfin, non, si, j'y vais souvent, moi. J'y vais souvent. Mais je publie pas beaucoup, là, en ce moment. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose de... Là, c'est parce que j'ai mal visé, je pense. J'ai visé un poil trop à gauche et on l'a ressenti. Oh, à quel point c'est précis, c'est dingue. Hein. C'est dingue la précision qu'il faut. Et coucou, Willis. Bienvenue à toi. Et Demsoden aussi qui vient de nous follow. Coucou, Demsoden. Demsoden, tout simplement. Ah, on y est presque. J'en ai marre. Enfin, j'en ai pas marre, mais on pratique encore quelques sauts. J'essaie d'en réussir un beau et après on arrête. Enfin, après on arrête. Après on relance une run. J'ai oublié de siffler. J'ai encore fait trop à gauche, je crois. J'ai pas compris. Et re, Pauline, être re... Ah non, c'est qui? C'est Yuzu qui dit re? Et Pauline dit re? Non? Bah bonjour à tous ceux qui reviennent. Et... Je vais en réussir au moins un. Enfin, plutôt pas mal. D'ailleurs, pour le Discord, j'ai trouvé un glitch un peu inutile, ce Breath of the Wild. Du coup, je sais pas dans quelle catégorie l'envoyer. Je sais pas. Dans... Je sais pas. Après, c'était inutile, je sais pas, dans général. Breath of the Wild général. Bah, je crois que ma flèche n'est pas partie, en fait. C'est ça qui s'est passé. Je lance une flèche, mais j'appuie sur B trop tôt. Je crois que c'est un truc comme ça qui se passe. Genre, il tire, mais pendant qu'il attire, il... Non, 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 j'arrête. Je crois que c'est ça qui se passe. Et j'ai l'impression que la flèche n'est pas partie. C'est pour ça que j'ai raté. Je vais trop vite. Trop vite. J'appuie sur B trop vite. Hop là.
trop tôt, trop tard, parlons, c'est trop trop tard. Le pire c'est quand les bocaux n'est juste pas là. Moi ça me fait marrer quand le bocaux est pas là. Je trouve ça hyper marrant. Ok. J'ai oublié de siffler. Je crois que la flèche est pas partie là. Nous sommes partis. Nulle part. C'est lourd. Enfin, c'est pas lourd, mais c'est difficile. C'est difficile. J'ai regardé sur le site de Speedrun et pour Mario Odyssey, je suis dans les 4000 premiers MDR, ça me gaffe. Ah bah, il y a du monde. Hein. Bah, Mario Odyssey, c'est peut-être un des jeux les plus speedrunnés. Hein. C'est celui qui est le plus accessible justement au speedrun. Et c'est pas pour rien. Le gameplay est incroyable. Enfin, tout s'y prête bien en speedrun en vrai. Pour les débutants et... Oh mais c'est... ça m'embête parce que... Vraiment là... C'est le jeu le plus runné, tu dis DevGun. Bah tu vois. En plus, il est sorti qu'il y a 3 ans quand même. Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de runners... Bah, parce que quand tu vas sur la top page de speedrun.com, c'est quoi les plus runnés? Enfin... ouais, c'est ça. Enfin c'est... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais fais pas ça, débile. Bon, remarque, mais on s'en fout. Allez, vas-y. Bon là, suffit d'y aller à l'arrache. Mais bon là, bah du coup, quel est le problème? Pas assez d'endurance. Enfin, et pas de bonne direction aussi. Je sais pas si on pourrait aller au château avec un truc comme ça. Mais en tout cas, on n'y arrivera pas. Voilà, on arrive. On recommence. Dernier essai. Et bah non, je vais encore en faire un beau comme ça. Enfin, plus ou moins pas raté. Et je vais tenter un truc aussi. Je vais tenter un truc. On va faire essayer de faire un placement parfait. Et j'ai pas envie de faire le setup avant. Il m'énerve le setup. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai ras le bol de le faire. Et oui, la musique de Spirit Track, elle est trop cool. Hein. Moi, elle m'ambiance de ouf. Hein. C'est trop cool cette musique. C'est comme site pour voir les classements, les speedruns. Bah t'as un site qui est assez connu, qui s'appelle speedrun.com, qui est utilisé par beaucoup de speedrunners. Voilà, c'est ici. Donc maintenant, il faut que je fasse en sorte de pouvoir me revenir à cet endroit-là, de façon avec mon arc. Bah c'est pile poil au milieu du caillou en fait. Hein. Donc là, si je veux le faire, je me mets ici, et c'est plus à droite là, donc c'est là. Plus à gauche, je pense. Plus à droite. Je fallait siffler peut-être avant. Non. Celle-ci aussi est incroyable comme musique. Enfin, celle de Skyward Sword sont dingos, hein. Backup Strat, si jamais tu n'arrives pas à choper le timing. Non, je veux y arriver. Moi je trouve que ça fait partie du speedrun, à partir du moment où t'arrives pas à ça, bah tu fais pas. Enfin, moi je veux pas le faire tant que j'arrive pas à faire ça. Je suis peut-être un peu con là-dessus, mais ça fait partie du truc que je veux réussir. Beaucoup trop bas. Je pense. C'est pas mal, mais c'est un peu bas quoi. J'ai envie de voir où est-ce qu'on arrive. Juste par curiosité. Nanananana. Ok. Là, on n'y est pas. Hein. Pas du tout. Paparibaribi. Oh, quand même. Tristesse. Non. Ouais, alors t'en es où?
Bah là, on vient de faire deux fois une run. On a practice les moments un peu difficiles. Et là, je practice le BTB. Le gros BTB qui permet d'aller au château. Ok. Hop, on va se placer ici. Oh. Ding, ding, ding. J'adore. Par contre là, je commence à avoir un petit truc qui me plaît. Un petit truc. Le petit feeling qui me manque. Et salut Alzimut, c'est HMD Prophecy. Bienvenue. Bienvenue à vous tous. Hop, on siffle. Hop là, on se met bien là. Ok. Il est beau. Ok. Ok. Salut Ninja Exoti. Merci pour ton follow, bienvenue. Hop. Ok. Je sais pas si ça sert à quelque chose de mettre la caméra au-dessus, mais... Ah, on va se prendre le poteau là, à ce rythme là. Et je crois que c'est pile poil pour la nouvelle route, c'est par là qu'il faut atterrir, enfin un peu plus à droite en fait. Bon bah on considère qu'on a réussi pour la première fois. En gros la nouvelle route ça consiste à arriver là je crois. Un truc comme ça. Je suis content quand même là-dessus. À moins que ce soit pas là. Je sais plus trop comment ça se passe. Après j'ai juste vu la nouvelle route, faut que je la prenne mais... Là normalement il y a un mob là-bas, non? Ouais c'est là, et puis là il y a un clip à faire ici je crois. Alors pour ce clip là je crois qu'il faut se placer genre... là-bas. On s'est pris une flèche. Les célèbres flèches, les célèbres attaques pendant les cinématiques, ça fait mal. Bon, allez, on va dire au revoir à YouTube. Des bisous à vous YouTube, on se retrouve pour le prochain entraînement. Allez, au revoir.